Salut à tous, chers amis serviteurs, comment allez-vous? Ici Alte Robot, plus connu sous le nom d'Alte Gigi Giga. Alors donc voilà, l'annonce est faite, je viens de changer de pseudo officiellement, mais vous pouvez m'appeler Gold Gigi, je vous autorise, puisque c'est mon profil PSN, jusque là. Voilà, comme ça vous... En même temps, j'aime bien être nostalgique. Alors donc, première expérience, premier épisode en solo de la piste Gold Adventures. Rien d'incubé, je suis donc avec un amigo PSN français. Oh, c'est cool ça, merci. Attends, je vais le regarder de plus près. Alors donc, c'est le 10e épisode de cette saison, on est déjà à la mi-saison. Et donc, prochainement, ou du moins, vous l'avez peut-être vu, j'ai mis une nouvelle vidéo pour ma nouvelle chaîne. Légère modification. Voilà, il y a juste le bail Golden Geek qui a disparu, mais sinon la communauté reste la même. Et donc pour cela, inutile de vous attarder sur ça, puisque la vidéo sur laquelle j'ai cité ces changements. La date de publication arrivera plus tard après ma nouvelle création de robot que je ferai. Oui, alors donc voilà, on vous fait visiter. Ça, c'est lui qui l'a fait, du moins. Et ça, c'est moi. L'empereur citrouille. Un petit clin d'œil à Bob Lennon et à Fanta. Parce que c'est surtout grâce à eux que maintenant je me suis dit que j'allais faire des vidéos sur Minecraft et bien sûr à Gus et Porto pour les gros fails. Ça c'est pas moi. Voilà, moi c'est juste celui-là et après voilà, on a fait des baraques. Alors donc ouais. Enfin, on était surtout trop au début sur la map, mais là c'était une arène Pokémon je crois et puis on l'a carrément explosé. Du moins je crois. Ça c'était quelque chose, mais là maintenant c'est juste une maison, mais apparemment ils l'ont fait quitter. Super. Super ça. Ouais, alors donc j'avais fait un truc sympa. Mais non. Vraiment un truc très très sympa. Alors là ce qu'on va faire, bah, tout simplement, vu que c'est une vidéo détente, vraiment, vraiment pour déconner, bah, on va déconner à fond. Donc c'est parti, je vais aller buter. Pas cool ça. Je vais aller buter quelques monstres avec mon épée Andiams. Créatif hein. Bon, par contre c'est vrai, les cochons zombies ils viennent nous grouper hein, comme les loups, enfin, sauf que les loups c'est plus en survie. Tiens, je vais me taper un ghast moi. Bon, le ghast c'est comme le cible, mais regardez comment ils sont moches. Je détruis tout. Je vais même activer de la TNT pour tout faire péter. Bon. Franchement, je vous le dis, les ghasts, moi, je sais pas combien ça prend de temps pour les zigouiller. Hein. Mais qu'importe, avec un poulet, vous le tuez en un seul coup. Ouais. Oh, tiens. Un casque en or sur la tête d'un squelette. Hein? Les Weaver squelettes sont plus grands que les squelettes basiques? Je croyais le contraire, moi. Bon, enfin, bref, on s'en fout. Bon, par contre, résistance, c'est pas la même, hein. Bon, celui-ci, j'avais carrément. Attendez, je vous montre.
Moi, le langage, voilà, plastron, des jambières, là au moins ça, là au moins ça aurait suffi. Oh merde! Ah, je tue accidentellement. Je vais pas l'abattre moi. Bon, qu'est-ce que je fais? Ah, je vais vous montrer ça. C'est très intéressant ça. Des fois, dans les heures, non pas tous les fois. C'est un cube de lave, hein, c'est un cube de magma. Et c'est comme les slim, ça se... Bah, ça se divise, voilà. Alors que les ghasts, c'est la taille des slim, mais sauf qu'eux, ils sont carrément gigantesques. Ouais, ils sont volants, mais ils se divisent pas. Il y a des baby ghasts, en même temps. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Ouais, tiens, prends ça dans ta face, toi. Alors, il n'y a pas de pause, déjà pour info. Alors, excusez les petits inconvénients du direct. S'il n'y a pas de pause, je regarde juste s'il y a des... d'autres joueurs sur Minecraft. Non. Et s'il y avait d'autres joueurs sur Minecraft, eh ben, je refais une invite. Bon. Alors, on va rester à deux. Donc, pour cette première expérience où je fais une vidéo où je la commence tout seul, 6 minutes passées déjà. Bon, si mon confrère envoie-moi 4 Lennon fait bien des vidéos en solo sur la playlist du City, alors pourquoi pas moi? Voilà, je fais plus buter plein de. Plein de choses, alors je vais vous faire une petite musique guidée, allez. Ah putain, le troll. Ça me fait pareil sur PE. Oh putain. Un PNJ. Putain, vas-y. Oh merde. Ouais. Ah, donc on était bien trois puisque un amigo portugais est venu également sur cette map faire des petits trucs par-ci par-là. Oh cool, je me demande ce que c'est ça. En même temps, je préfère même pas savoir. Donc je vais laisser béton. Ah, le troll. Je me doutais qu'on était trois en plus. Figurez-vous, cette map, je suis venu il y a vraiment pas longtemps de cela. Je dirais deux mois, truc comme ça. Alors, donc, tiens, je vais mettre le, avec les LED des panneaux quelque chose. Ah merde! Ouais, pas de pause comme je vous ai dit, ce sont les petits inconvénients, mais au moins je vous montre. Oh petit pote, pourquoi il m'a pas pris là ce con? Ah, il a fait de place. Oh, il a plus de place. Ok, voilà. Oh, oh. Ouais, cool ça. Attends, qu'est-ce qu'il me met? Alors, on va donc quitter. Et je vais donc l'inviter. Voilà. Donc, le but des vidéos détente et délire,
avec des amigos, c'est que on se préoccupe pas de ce qu'on fait spécialement, voilà, on fait vraiment vraiment pour les connes. Alors on va faire ouais, tu as c'est pas grave, on va prendre cette map là puisque perso je n'ai rien à péter. Voilà, comme ça au moins on pourra faire péter de la TNT et tout. Parce que je vais vous montrer un petit peu quand même les talents de créateur. Alors, on est juste à côté d'un village assez cool. Alors. Et voilà. Il suffit de le demander. Ouais, donc je vais donner un nom bizarre parce que on compte réutiliser cette map pour un futur épisode de Golden Adventures. S'il y a des amigos, ben, ils seront les bienvenus. On fait tout simplement voilà. Alors, je vais vous montrer un petit truc assez sympa. Voilà. C'est marrant. Donc je vais vous faire un petit truc que je sais bien faire. Attendez. Bonjour monsieur. Je suis votre nouvel collecteur d'impôts. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Quand vous sautez sur les cultures, et ben vous avez tout, des pommes de terre, du blé, des graines. Voilà. Vous sautez dessus, vous prenez toute la bouffe. Après, il faut bien viser, ça c'est autre chose. En même temps, si je me suis mis à côté d'un village, c'est pas pour rien. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, je l'ignore encore. Alors, chers amis, je vais donc faire un petit robot comme ça, et détente, on va dire, complètement délire. Comment je vais pouvoir le faire? Au pire, il n'y a rien à péter. Ce que je vais faire, là, car je la mets là. Enfin, je ressens un petit peu l'habitude du bouton. Parce que moi, je joue scénario étant sur le cours. Et je vais aller buter les villageois. Bon, attention, je teste un truc spécial horreur. Hein. Voilà. C'est pour le futur épisode de Halloween. Hein. Voilà, je profite, je teste. Voilà, vous verrez pas ça deux fois. C'est juste un avant-goût. Ah, dommage qu'on ait pas de nuit parce que c'est un peu con. J'aurais bien fait de nuit. T'en fais le faire pour quelqu'un dans une maison, c'est mieux. Ah putain, y'a personne dans la maison. Je vais pisser sur ce con là. Putain, on se fait chier. Oh putain, je vais tousser. Attends, j'ai une idée. Je vais vous montrer un truc qu'on peut faire. Non. Et voilà. Moi, je peux faire ça aussi. Quelqu'un dans la maison. Attention. Truc d'horreur. Faites gaffe. Ça va être ça, massacre de Pudgy! Wouah, putain la flotte! T'as dans ta gueule!
Oh putain, on va démolir une maison. Ouais, ça. Allez, on la rase. On la rase au pire de tout cas, on s'en fout. Complètement dévoué ce PNJ. Ah, le pire, c'est qu'il ne doit même pas y avoir un zombie. Je crois que j'ai laissé en pacifique, ou juste comme un con. Bah, et donc le test est terminé, voilà. Ça m'apprendra à jouer les petits coups. Maintenant, je vais aller construire un putain de. Ah, ouais, c'est ça, tiens, je vais me marrer un petit peu. Voilà, la TNT, le briquet. Et je prends quoi comme cobaye? Sachant qu'on est en Pacifique. Ben. Ouais, tiens, je prends des villageois. Bon, ce que je fais, ça marche aussi avec le petit dien normalement. Merde! Putain. On va le tuer, c'est PNJ. Ouais, c'est mieux. On est déjà à 16 minutes, 17 maintenant, c'est déjà un bon début. On progresse dans la hiérarchie. Vas-y, je vais te lier, connard. Bon, il se doute à peu près de ce que je vais faire, moi c'est un putain de. Ah! Il m'a touché! Ah, il est. Là, merde! Ah! Merde, putain, comment je fais pour tout sauter? Je peux pas allumer, bordel! Excusez un gros fail, ça s'allume pas, voilà, j'ai activé pas d'explosion de TNT ni propagation du feu, gros fail. C'est bon, t'en tiens, je comprends pas moi pourquoi ça explose pas. J'ai dû avoir un gros fail là. Bah putain, il va sortir. Ah là, ça va exploser. Oh, il est taré ce mec. Chapote, putain, pas un seul survivant. Ah ouais. Bon, normalement, en général, on les aura plutôt en l'air, hein. Mais là, on les a enfermés vraiment pour que c'est plutôt une salle de torture. Ah, FT, qu'est-ce que t'es vilain? Oh, je m'en fous. Ces villageois, ils ont qu'à crever. Encore des villageois. Ah merde, ils sortent tous, c'est con. Oh, ils sortent tous, les villes. Oh, ils sortent tous, c'est con. Ils sortent tous, les villes. Oh putain. Est-ce que vous avez gros fail de ma part? En même temps, le fail, c'est un petit peu. La spécialité maison, on va dire, de la chaîne.
Community of French Gamers. Fondé par environ 89. What? Quoi ce bordel? Le néant créatif. Car évidemment, je me mets en créatif, je reste en créatif. Ouais, donc on a 6 options là. Comme vous pouvez voir, Minecraft, ça a bien évolué sur PS3. Hein. Après, sur PE, je sais qu'ils sont vers la fin 8-7. 8 dernièrement. On m'a confirmé que c'était un 8ème. Et voilà. Bon, globalement, la 7ème est arrivée. Ça va venir ça! Oh! On va faire pour Android parce que les iPhones ne sont pas au bêta, donc ceux qui sont sur iOS, voilà. Ils peuvent. Mais plus mettre ton modérateur, comme ça il fera plus chier. Je vais reprendre un TNT. Des fois, le désavantage un peu, c'est ça, voilà. Le désavantage, c'est un petit peu ça, des fois, quand même, hein. Ça tue est un énorme trou. Il est où le casse-couille del mundo? Tiens, il m'a foutu. Oh putain. Oh le malade, il est fou. Oh Nenorman. Vous êtes normal, il me met. Moi aussi. Voilà. Alors donc, on va s'arrêter là. Quelques secondes. Le temps d'une petite pause boisson. Je vous ai fait une blague. Pour tout simplement vous faire arrêter. Je voulais pas tuer le suspense, mais tant pis, c'est comme ça. Oh. Ok, j'espère que cela vous aura plu. Cet épisode de temps, le premier. Donc, une longue série, mais on se retrouve très très vite pour le prochain épisode. L'épisode 11 qui s'intitulera Résister ou périr.